Rebonjour. Du coup, Kazou, j'ai pas les infos. Mais par contre, si t'es encore là, dans 30 minutes, il y aura Karim Hassan qui sera en vocal normalement. Donc lui, il pourra te dire. Après, si t'as les dates, ce serait parfait. Parce que moi, j'ai les dates des salons jusqu'à enfin, pour l'instant j'ai jusqu'à juin, mais je sais pas si c'est validé ou pas. Donc pour le moment j'en ai aucune idée. On relance le jeu, on continue. Ah, c'est pile ou face, ça dépend de mon patron. Ah, et par rapport à 8 heures. Dans tous les cas, je demanderai quand même à Karim Hassan si c'est prévu ou non. Comme ça, je pourrais te redire si tu repasses ou pas, si tu repasses dans la journée. Vraiment pas les tuer. J'ai un peu foiré par contre. Faut pas que je le perde sinon il me restera voilà, il me restera pas beaucoup de temps. 24 25 septembre. Ah bah il y a encore du temps, donc je pense ça peut être prévu, mais j'ai pas du tout les infos. Dommage, je suis sûr que je peux casser le bloc là-haut là. J'arrive pas à savoir où je suis. C'est assez perturbant de pas savoir où on est. Je vais faire demi-tour et puis je vais repasser par en bas, ça sera plus simple. Ou alors, je lance un œuf au pif, ça va rebondir et ça va péter le truc. Voilà. Ouais, c'est ce que j'essayais de faire en fait. J'essayais juste de faire ça là, mais ça voulait pas. Bon, tant pis pour les pièces rouges. Hein.
26 étoiles. Ah oui, c'est une pièce rouge. Ah oui. I'm back. Eh ben parfait. Et Kerem Hassan. Une petite question de Kazuhiro par rapport à un salon. Moi, j'ai pas les infos, mais toi, tu les auras peut-être. Est-ce que les follow ont choisi le live pour le... Le live pour le follower gold de 10. C'est quoi déjà le follower gold des 10 follow? C'est vrai que j'ai même pas fait gaffe à ça. Ah oui, si, le live à combler, ok. Bah, le live à combler, ça sera du smash. Du coup, Kazuhiro voulait savoir si on sera à la Japanior. Il y a une nouvelle convention à Niort. Ah, ça sera pas la Japanior du coup? Japan Pop Show. Ok. Bon bah pas de Japan Pop Show. Et pas d'infos sur Japanior. Donc Kazuhiro, t'as ta réponse. J'ai eu peur du truc en dessous, mais en fait il m'aurait pas touché. Dommage. Je vais mettre trop de temps à récupérer le Mario là. Après, même si c'est 24-25 septembre, on n'aura pas plus d'infos non plus. Enfin, je pense pas. C'est vrai, c'est pas bête. Pas les détruire avec... Reviens là, Mario. Le prochain follower goal déjà. Ah oui, l'ouverture des boosters.
D'accord. Peut-être se dépêcher un peu du coup. Déj se prépare pas du tout. Je suis tout seul à être réveillé donc de ce que j'ai compris, Warthog s'est venu me réveiller un peu avant 5 heures. Le live react, c'est, enfin, il a eu lieu, mais il n'a pas duré aussi longtemps que prévu parce qu'en vélo, on pouvait plus. Et puis, enfin, il a appelé les urgences là pour sa nuque là, parce qu'il vraiment plus bouger. Donc, il va aller à la pharmacie quand ça ouvrira vers 8h30 normalement. Mais bon, après avec son sommeil j'espère que ça ira. Ah oui, là, faut se dépêcher, c'est vrai. Merde. Après, torticolis, c'est assez classique. Ouais. Ouais, mais je sais pas s'il y a que le torticolis parce qu'il a l'épaule aussi, donc. J'ai un pic à 65 viewers, il va y avoir un raid. Oui, c'est je sais plus comment on dit son pseudo, mais celui qui était au salon de ce week-end, j'ai oublié le nom du salon aussi. Bah de Clermont, voilà. C'est Reza ou Erza, je sais plus. Il a fait un petit raid. Donc, on a eu pas mal de monde. Ouais, du coup c'est cool. À cause de ça, du coup, y a un des voisins qui s'est plaint du bruit. Warthog, il gueulait trop fort. Enfin, c'était en même temps, il était 1h30, 2h, donc. Oui, du coup, c'est Warthog, hein. C'est normal. Fasse quoi avec ce pot de fleurs, hein. Qu'on pouvait le tuer. Non, il est pas venu à la porte, il a juste tapé très fort dans son. Enfin, c'est le voisin du dessus. Donc, il a tapé très fort dans le sol et il a gueulé qu'il y en a qui bossaient demain. Donc, je me suis levé pour dire à Warthog qu'il fallait qu'il baisse un peu le temps.
Bah ouais, c'est à prendre en compte, surtout si on refait un. Enfin, si on reprend un Airbnb. Et c'est surtout que là, les murs sont vraiment très très fins. Moi, dans ma chambre, là, j'entends le voisin d'à côté marcher dans son appart. Ouais, éviter les immeubles. Ça marche. Il a pas l'air très dur, ce boss. Pas si c'est ça qu'il faut faire, mais au moins. Ah, s'il fallait juste lui enlever son short. Non, il n'y a vraiment aucun mur de séparation entre les appartements. Et ça, Kazuhiro, ça pourrait se faire, mais je suis pas sûr. Ok, ça marche, Kerimasan. Ouais, je vais aller me faire couler mon café aussi, du coup. Je vais mettre la petite musique. Voilà, la petite musique sympa. Du coup, je reviens.
Allô, allô? Est-ce qu'on est encore sur Discord? Ah ben non. Ouais, c'est bien ce que je me disais, hein, mais c'est parce que tout à l'heure on a encore reboot le PC et du coup on n'est plus sur Discord. C'est le Discord de Warthogs. Ok. Hey yo. Et bonjour. Du coup, vous avez reboot le PC dans la nuit? Oui. Ouais, bah, il y avait trop de pertes et puis ça a coupé. Donc... Et là, ça a l'air d'aller là? Ouais, là, ça va. Ouais. Depuis que je regarde. Bah, c'est quand on a testé de faire Tomb Raider en fait. L'émulateur a fait planter le PC, je crois. Ok. Par contre, je sais pas si on t'entend sur le live. Que je dise quelque chose pour que tu puisses écouter. Ah ouais, remarque que je peux lancer le live sur mon téléphone. Enfin, vas-y, je me mute. Oui, bonjour. Là, voilà. Ah, mon son est fort apparemment d'après Kazuhiro. Eh ben on va le baisser, c'est pas grave. Ah oui, Artox t'avait mis à 200 sur Discord. Est-ce que c'est bon là? On peut pas te dire. Ah mais Kazuhiro il peut nous le dire. Est-ce que t'as récupéré ma caméra ou pas? Non, pas du tout. D'ailleurs, vu qu'on a reboot, Vortox m'avait dit qu'il fallait refaire toutes les scènes pour... Enfin, toutes les scènes. Refaire une room, peut-être? Refaire une room, ouais, pour refaire une scène. Bon, je vais plutôt t'envoyer... Ouais, bah si, bah refais une room, peut-être. J'ouvre une page. Ah, je suis perdu sur ce PC, moi je sais pas où sont les moi, favoris. Je peux aussi baisser mon micro, Kazuhiro, aussi, il faut. C'est toujours, toujours fort là? Non, mais c'est bon, je me suis baissé, hein, si, je pense que ça devrait le faire. Ok. Du coup, je vais essayer de créer la room. Alors, ce matin, donc on discute un peu. Et après, j'essaie de vous soulager sur du pouce-pouce. Ouais, je vais quand même regarder un petit peu le pouce-pouce parce que je sais pas du tout ce que c'est. Ah oui, bon, c'est du type Adibou. Hein. Ouais, bah, d'ailleurs Adibou a pas duré 2 heures. Hein. Il a duré combien de temps? Ouais, même pas 1 heure. Ah oui, d'accord. Il en avait marre, du coup après il est parti sur du Rocket. Ok, ok. Et après on a testé aussi Demon Slayer. Là. Mm-hmm. C'est pas mal. Ok. C'est le live 48 de l'impro. Quoi. Oui, c'est un peu ça. Hein. Quand c'est Warthog qui fait, c'est l'impro. Pour créer une room, c'est Create là, room. On crée un nom. On est obligé de mettre un nom ou pas? Ouais, tu mets n'importe quoi et tu mets. Je te passe 1, 2, 3, tu m'envoies le lien d'invite. Oui, bah Kazuhiro, c'est le concept de tous les jeux Bandai Namco. Hein. Copy Link. Oui, par contre, c'est carrément du Naruto. Hein, le... Ils ont pris les mêmes mécaniques et puis basta. Il n'y a pas que les mêmes mécaniques, hein. Même les menus, pour moi, c'est exactement les mêmes. Ah, si ça a marché, ma room. Mais normalement, tu l'as créé. Ouais, bah c'est bon. J'ai ta caméra. Donc, normalement, tu vas pouvoir la mettre quelque part. Attends. Parce qu'il a fait vraiment beaucoup trop de scènes, Vortox. Et
rigole, Warthog. Et au moins 30 scènes. Ah ouais? Ouais. Il en a fait 4 pour Mario Kart, 4 pour Clash Royale, 4 pour Minecraft. Ah non, il a réutilisé le truc convention, non? Ah, c'est possible. Attends, c'est quoi la collection de scènes? Ouais, overlay convention. Ok, donc c'est pas... Ouais, d'accord. Au lieu, il aurait pu recréer un truc... spécial 48 heures. Tu trouves celles qui correspondent aux 48 heures. Alors, intro, 48 heures. Il y a ça. Grand cam. Jeu plus cam. Clash Royale. Bon, on va faire grand cam, hein, c'est bien. Par contre, moi, je reste devant le PC, donc on va enlever la cam canapé. Donc on peut la laisser en fond, tant pis. Comment je récupère ta cam, moi, du coup ? Un lien, normalement. J'ai ta cam. Peut-être devoir la renier un petit peu par contre. On sort? Ouais, je m'en sors. Au pire, on peut faire ça directement en live. Et là, je fais la transition. J'ai mal fait le truc. Ouais. Bon, entre nous, mal fait pour toi, c'est bien fait pour Warthog ou pas? Oui, carrément, ouais, mais. Ah là là, t'attaques. Oh bah putain, oui, je suis au milieu de l'écran. Ouais, c'est carrément. Bon, du coup, on va faire ça. On va se mettre en grand, ça sera bien. Oui, oui, bah comme tous 48 heures, Kazuhiro. Hein. Attends, j'ai plus le chat sous les yeux, mais je suis d'accord. On va faire ça comme ça. C'est très bien comme ça. Allez, du coup, on est en. Ça ne me plaît pas. Qu'est-ce qu'il y a? On est en stream petit-déj, voilà. Ah bah voilà. Moi j'ai mon café, t'as quelque chose toi? J'ai mon café et je me suis même fait une petite assiette avec... Ah bah c'est bien, bah, je l'ai pas fait moi, 4K. Je me suis dit, bon... Et j'ai pris une assiette parce que je voulais pas dégueulasser le setup. Parfait. Et à côté j'ai toujours ma Red Bull, j'ai pas fini. Mais... Ah moi je vais me calmer parce que cette nuit ça m'a bien empêché de dormir. Ah moi c'est la... La seule que j'ai pris cette nuit. Ça m'a pas empêché de faire mes siestes. Du coup, toi, t'as eu quoi comme sommeil? Alors. C'est compliqué. Non, c'est pas très compliqué. J'ai pas eu beaucoup de sommeil, mais j'en ai eu. De 23h30 à 1h à peu près. Sinon c'était de 3h à 4h30. Donc, j'ai eu 3h de sommeil. Et bon je vais me rattraper après pendant... Attends, qu'est-ce qu'il y a après? Bah, je vais reprendre une heure et demie de sommeil pendant ton pouce-pouce. Ah ouais, bah voilà, je vais être tout seul. Parce que les gars vont continuer à dormir je pense. Du coup, au moment où je vais vouloir m'arrêter, il n'y aura personne pour gérer la régie. Non, mais Angelo devrait pas tarder parce que il a dit qu'il irait à la pharmacie à 8h30. Donc. Ouais, après, ça c'est des... on dit ça. Ouais, c'est vrai. Warthog, je sais pas, donc... Bon, dans tous les cas, moi je resterai là si ça n'allait pas. Hein. Bon,
Voilà. J'ai fait le tweet. Et le tweetos. Hop. J'avais pas vu le message de Kazoo. Du coup, bon courage à toi, Kazoo. Merci, y'a pas. Et puis on a eu un petit raid aussi de. Zafira. Non, pas Zafira. Merde. J'ai oublié son nom. Ah si, c'est ça. Zafira QC. Ah oui, qui est venu avec 15 spectateurs. Ouais, avec, avec Genki, du coup. Je pense qu'ils étaient en train de jouer à Phasmo. J'ai pas eu la réponse quand j'ai demandé quel jeu ils faisaient, mais. Je sais qu'ils font beaucoup de Phasmo ensemble. Donc on a eu 3 raids pour l'instant. On a eu Kana avec 12 spectateurs. Reza avec Reza, 56 spectateurs. Et Zafira avec 15 spectateurs. Et bah c'est beau. Bah c'est pas mal. C'est beau, c'est beau. Et Zafira QC, c'est parce que ça venait du Québec, ça? Oui, c'est une québécoise. Ok, d'accord. Ah, Genki il traîne beaucoup avec des Québécois. Non mais ça c'est les Belges ça. Ouais. Une alliance. Ah, comme ça ils vont nous envahir après. N'importe quoi. Ah, c'est ça qu'il fallait que je fasse aussi. Des... Enfin, réussir à ouvrir le boîtier de l'autre... L'autre micro serre-tête là parce qu'il n'y avait plus de pile. Ah. Bah oui, il faut réparer. Bah ouais, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être une bonne idée. Du coup, je vais le chercher, je reviens. Vas-y, vas-y. Je garde quand même mon casque pour entendre. Ouais. Mon casque ? C'est un casque sans fil ? Non, c'est un casque avec fil, mais il est long. Ah oui. Enfin, et puis le canapé est pas très loin. Quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, j'espère que vous allez bien, vous réveillez bien. Sur Twitch. Là on aurait l'impression, voilà, ça fait hyper longtemps qu'on est en live et tout. Non, non, on n'a pas fait la moitié. Hein. Non, on n'a pas encore fait la moitié. il reste 13 heures avant de faire la moitié, on n'a pas fait un quart. Voilà. Pourquoi tu vois le plus négatif là tout de suite là. Bah, dans une heure, il y aura le quart qui sera fait. Oui, c'est vrai. Pendant donc ton c'est pouce que pouce, le début. Non, mais c'est ça, se dire qu'on est à... On est à 29 subs, 10 follow, 3 raids. Et que c'est un quart du live, c'est beau. Bah c'est, ouais, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, les subs, on a bien vu. Hein. Ouais, il y en a 25, c'est de la team APC, mais... du coup, il y en a 4. Il y a eu 2 subs de... enfin, offerts par Mélancoliate. Ah, cool. Et yo, Yami Ghost. Que j'ai vu et également. Ouais, rebonjour. C'est passé dans la nuit, je crois. Oui. Et je pense qu'il adore ses émotes. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'elles sont cool. Bon, j'arrive vraiment pas à l'ouvrir. Je suis vraiment débile ou alors. Et vers le bas, tu fais glisser vers le bas normalement. Bah ouais, ça me met open avec une petite flèche, mais ça veut pas. Hein. Noob. Ouais, je vais prendre un maillet. Hein. En vrai, faut que je trouve un truc. Bon, sinon. Du coup, t'as joué à quoi pendant le rétro pop là? Rétro pop, j'ai fait Donkey Kong Country. Ok. Et. Enfin, là, c'était. Bah, Yoshi Island. Ok, ok. J'ai les doigts qui glissent en plus. Oui, c'était vraiment tranquille. Pas trop de difficultés ici parce que j'ai galéré sur Donkey Kong Country. Mais... Ouais, je t'ai vu dans ce chariot de l'enfer. Ouais. J'allais dire au final je l'ai passé mais non même pas. J'ai abandonné. Non t'as abandonné dessus ouais. C'est bon, c'est ton compte alors je veux pas tout te faire non plus. Ouais j'ai vu que c'était mon compte. Mais bon, c'est pas grave hein. Au début, je voulais mettre ma Switch, mais Vartox n'était pas motivé pour changer de Switch alors qu'elle est juste à côté de la mienne. Ok. Ah, c'est bon, j'ai réussi à ouvrir. Là, j'écoute juste pour voir si la musique est pas forte par rapport à nos voix. Ah oui, bah, tu me dis, sinon je la baisse. Hein. Non, c'est bon.
Bien calme, hein. C'est dur d'animer comme ça le matin là. Bah sinon on essaie de trouver 2-3 petites actualités du jour. Ouais tiens. J'ai vu que Sony a racheté un studio qui n'a pas encore publié de jeu. Un studio qui a pas encore de jeu? Ouais. C'est ça. Bah déjà il y a Tonti hier qui nous avait dit que donc, CD Projekt a annoncé une nouvelle saga Witcher. Ouais. Ouais, et puis Braddock avait dit que c'était The Witcher. Ah oui, c'est ça. Mais ça, ça me rappelle que j'ai toujours pas fait du coup. Que j'ai toujours pas fait les autres. Ah, mais c'est vrai que je voulais finir les bouquins d'abord. Il doit m'en rester 3 à lire. Je vais me les faire en livre audio. Je suis sûr qu'ils sont pas longs en livre audio, les Witcher sur Audible. J'en ai aucune idée. Regardez ça. Sorceleur. Ouais, je sais que j'ai essayé de faire The Witcher 3, mais j'aime pas du tout le gameplay. Donc, j'ai arrêté. Oui, okay. Ah, il dure quand même 15 heures. La série est vachement bien. Moi j'aime bien aussi. J'aime bien aussi. Ok, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui est tombé? Youp là, changement de position. Un non, changement de position chose, du micro, moi pour boire un peu mon café quand même. Un jeu Siberia qui est sorti. J'ai pas suivi ça. C'est toujours pas Gran Turismo, mais en même temps, ma console, elle est un peu avec vous. C'est pas ça, faux. C'est un peu frustrant. En même temps, de base, tu devais être avec nous, mais. Ouais, c'est ça. Minecraft Builders. Une communauté se mobilise pour recréer le monde entier à l'échelle réelle. What the fuck. Ouais, ça fait quand même beaucoup là. Ça fait beaucoup là, non? Ah, les mecs, ils ont fait le Grand Canyon et tout, quoi. Ah, il y en a, ils sont motivés. Ouais, je regarde les photos là. Il y a déjà des trucs qui ont été faits de ouf. Hein. Alors que nous, on galère déjà. Ouais, je sais qu'il y en a qui avaient refait. Il y en a qui avaient refait. Le truc du Seigneur des Anneaux là. Une grosse partie ouais, de la vrai, map. Il y a des trucs intéressants. Mais nous, on pourrait faire des trucs genre reprendre des trucs de Angers. Ouais, ouais c'est vrai. Genre faire le château d'Angers, ça pourrait être sympa. Ouais, je suis pas sûr qu'il ait déjà été fait. J'en ai aucune idée. Je vais marquer château Angers, Minecraft. Alors. S'il y en a qui l'ont fait, apparemment. Ouais, il est pas mal fait là. Il a 50% d'après le mec. J'ose pas trop ouvrir des. Non, on voit rien. Je confirme. Mais non, il y a pas de. Il y a un seul mec. C'est un gros fan de Minecraft. Il s'appelle Akissas. Et qui, du coup, a bien travaillé sur le sujet. Ah, il a commencé à refaire l'intérieur et tout, mais c'est pas fini. Pour refaire l'intérieur, faut avoir visité le château plein de fois. Ouais. Ah ou alors faut y aller et vraiment prendre des repères, ouais. Des repères de taille. Je veux dire prendre des photos, mais je suis pas sûr que ça soit autorisé. Prendre des photos. Oh, je pense. Ça dépend peut-être des monuments. Mais ça ouais, ça pourrait être intéressant. Ouais. Bah là t'es sur beaucoup de blocs assez. Voilà, c'est de la pierre quoi. Oui. En même temps, le château d'Angers, c'est de la pierre. Oui. Y'a Patoun qui débarque, qui miaule, qui se barre. Bah viens prendre ton petit déj aussi. Bah voilà, exactement. Et sinon, toi t'as quoi en monument, en Lego, là, qu'on pourrait potentiellement refaire sur Minecraft? Bah, l'Empire State, c'est assez facile, là, qu'on voit derrière moi. Ouais, c'est assez droit, donc ça va. C'est vraiment très facile, hein. Après, les autres que j'ai, c'est un peu, tu sais, c'est ce qu'on appelle des skylines, c'est-à-dire, c'est les bâtiments emblématiques d'une ville, là, par exemple, tu prends ah oui. Las Vegas, tu vas avoir le Bellagio, le Luxor, celui-ci, je sais plus ce que c'est, je me demande si c'est un des hôtels, j'ai vu ça, c'est un hôtel aussi, la Grande Tour, en fait. Enfin, un hôtel, d'accord. J'ai dormi quand j'étais à Las Vegas. Il y a un casino, là-dedans.
Oui, il y a des casinos dans tous les hôtels. Ouais. En fait, tous les hôtels sont des casinos. En fait, le rez-de-chaussée des hôtels, c'est les casinos. Tu rentres comme tu veux. Oh, c'est sympa quand même. C'est une expérience. Pourquoi j'ai une notif sur Twitter là? Ah, c'est parce que j'ai retweeté ton tweet. Alors, est-ce qu'il y a d'autres nouvelles? Divertissement, je vais dire en divertissement. Bon, ça c'est pourri, ça, divertissement, on va pas y faire ça. Ouais, parce que pour, sur le planning, c'est marqué 8h à 9h hein, pour le petit déj. J'ai déjà fini le café. Ouais. Ah, c'est ça, Sony fait l'acquisition de Haven, le studio de Jade Raymond. Et j'en ai jamais entendu parler. Alors, pour mémoire, Sony avait déjà investi une somme indéterminée dans la nouvelle aventure de Jade Raymond l'an dernier, tout en commençant un premier jeu encore non annoncé à cette équipe composée principalement de vétérans ayant connu la productrice. Donc c'est une productrice qui a notamment produit Assassin's Creed, Splinter Cell, Watch Dogs chez Ubisoft, Electronic Arts et Google. Ouais, c'est pas des petites licences quoi. Non, donc elle a pas mal bossé. Et du coup, ok, sa bio Twitter c'est « J'aide les gens à faire des jeux ». Voilà, top terminé. C'est simple et efficace. Exactement. Donc bon, on verra ce que ça donne. Tout. Pourquoi j'ai ça en tête? Bah, j'en ai aucune idée. Ça me fait penser que il y a plus les alertes sur sur le stream. Et qu'est-ce qui te fait penser ça? Bah, que tu chantes une chanson. D'accord. Ah mais tout à l'heure pour le raid, il n'y a pas eu l'alerte, du coup je l'ai pas vu tout de suite. Mais bah faut que tu essaies de les remettre, non? Bah ouais, j'ai pensé à le faire tout à l'heure mais j'ai pas trouvé. Ça c'est bien les alertes. D'avoir streamé la pile. Est-ce que t'es prêt pour la convention de ce week-end? Eh ben, on verra. À TGS Montpellier, il y a moyen d'avoir du beau monde encore une fois. Ah bah oui, bah ça c'est sûr. Dans les invités là. Bah, ce qui m'inquiète moi, c'est surtout le cas d'Angelo. Quoi. Avec son coup? Oui. Parce que si jamais il peut pas venir. Bah vous serez deux. Bah on sera deux. Avec Todalf. Ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué, mais bon après Todalf il a de l'endurance. Ça se fait quand même. Ça se fait. C'est où pour remettre les alertes du coup? Bah faire une source navigateur. Ouais, ça c'est bon. Et le lien, tu l'as, bah juste ah oui, quand tu m'as envoyé le lien Vidéo Ninja là. Ouais. T'as Alert Box là, tu la vois, c'est le premier lien que j'ai envoyé. Ok. Je vais copier le lien. Normalement, il y a l'alert box. Voilà. Ah, parfait. Et du coup, est-ce que tu as une scène qui est prête avec ma cam en full screen dans tout ça? Pas du tout, mais je peux faire ça. C'est sûr qu'il n'y a pas, parce que normalement, c'est ma scène justement. Je vais se mettre pouce. Bah, c'est Warthox qui a dû faire ça du coup. Bah, ouais. C'est une grande cam. Il y a toujours la scène Clash Royale. Je sais pas si c'est ça. Ah, je viens de regarder la durée de vie de Pouce Pouce. Moins d'une heure. Ah oui. Et c'est prévu 2 heures dessus. C'est ouais. Ça
Voilà. Bonjour. Ah. Ah, bah, bonjour. J'ai vu que vous parliez de moi. Oui. C'est vrai. On a parlé mal. Du coup, je suis vénère. Bah, on a non, dit quoi même pas vu, ça rien de normal en plus. On a dit que vous allez peut-être être que deux à TGS, mais. Ah bon? Bah, Angelo est en PLS apparemment. Oui, c'est bah, des petites c'est rappeur, c'est des petites santé. Hein. Ouais, ouais, non, c'est clair. Hein. Non, mais il va se reposer. Écoute, jeudi à la fin du 48 heures, il doit dormir à 24 heures. Oula, ouais, on a des ça. Grosses pertes, non? Depuis que. Non? Non, non, peut-être ah pas. Ah non, moi je vois pas de pertes. Hein. Non, non, c'est moi qui lagais. Tu dis de quoi? Il va se reposer, ouais, mais bon, après, il a l'air de s'écouter beaucoup avec son mal de cou. Hein. Ouais. Bon, j'en ai déjà eu, genre. Là, alors là, c'est horrible ton son, oh, Todalf. Ouais. Oulala, oulala, oulala. Je vais baisser un peu le son de Todalf. Alors, alors, parce que là, tu nous as explosé la gueule. Ouais, ouais, ouais. Ouf. Mec, il ouvre sa fenêtre, il a ouvert la fenêtre de tout le monde. T'avais les oiseaux qui chantaient, machin. T'es là, malade? Ouais, je suis toujours là, ouais. Ouais, c'est bon, t'as envie. Bon, c'est rassurant. Non, mais du coup, ouais, bah moi, je sais pas trop à quoi jouer avec vos histoires. Hein. Est-ce que c'est mieux? Vas-y. Ouais, ça a l'air d'être un peu mieux. Parce que j'ai branché ma webcam, il faudrait le donner le lien. Oui. Je te l'envoie. Oui. Et toi, t'es pas censé bosser, là? Si, mais écoute, je bosserai en parlant, c'est pas grave. Ok, d'accord. Ninja. Tu vas récupérer une cam. Ah, moi, il faut que j'allume l'ordi du boulot, d'ailleurs, pour changer mes congés, là. Je suis renseigné sur le congé paternité des indépendants, les gars. Je peux vous dire que c'est un bordel. Ah, ça m'étonne même pas. De faire ta scène pour après là. Tu veux une scène juste une scène grande cam Tu mets ma cam et moi je m'occuperai de faire ma scène en fait. Ok. Du coup je la mets en grand ou juste Ouais en full screen. Tu gardes juste le timer et le logo 48 heures. Et les deux. Attends, regarde je te mets ma cam à quoi elle va ressembler. Ça va. Les gens vont rien voir. Hein. Mais globalement, tu peux comme ça déjà placer les éléments. Bonjour, je suis tout petit. Alors, du coup, tu veux que je mette ta cam en full screen avec les éléments. Ouais, moi j'ai déjà les goals. Donc t'as juste le logo et le timer. Ok. Et sur la scène où on est là, ça te va où ils sont placés les trucs ou pas? Bah, en fait, essaie de les placer sur ce que je viens de te partager. Bon, là, tu vois bien que j'ai mis ma scène, ma first scène de la pousse-pousse, il va être là. Ah oui, d'accord. Non, là, il va être là, d'ailleurs. Ouais, du coup, je vois ce que tu veux dire. Mais... Je modifie ça, et ça... Je mets ta cam tout de suite. Todalf. Comme ça, de la fête. Ouais, bah du coup, ta scène est prête pour après Kerem-Hassan. Ok. Je remets ma cam. Ouh là 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 là.
Ah, est-ce que Todalf arrive à l'écran? Il arrive à l'écran bientôt. Et non, Genki, il n'y a pas d'alerte sonore. Il n'y a toujours pas les alertes, là? Bah, je pense que les sons d'alerte, de toute façon, c'est quelque chose qui vont malheureusement disparaître de la chaîne. Je suis désolé de vous l'annoncer. C'est un peu comme les alertes follow et sub qui restent pour l'instant la semaine, mais qui disparaissent le week-end. Oh, il est là, il est là. Il est frais, comme un gardon. Bah, comment tu peux, c'est juste qu'en fait, encore il y a des gens qui les utilisent avec parcimonie. Mais par contre, il y a des gens qui spamment de ouf et du coup, ça empêche de faire un live de qualité. Et en termes de replay, c'est totalement irregardable. Bah ouais, c'est clair. Déjà, quand tu vois les alertes sub hier et qu'on se tape 10 alertes sub d'affilée, irregardable. Et les soundboards, je me souviens, bah, pendant le bilan, quand tu regardes le début. Et voilà. Oui. Nous, on trouve. Enfin, quand tu connais, tu trouves ça rigolo. Quand tu connais pas la team, tu t'arrêtes à ça. Tu vas pas plus loin en fait. Ouais, je te dis, j'ai même pas envie de les découvrir en fait. Oui, personne ne répond. Ah non, du coup, j'étais en train de faire mon truc moi, mais oui. Tout à fait. J'étais en train de faire mon truc. La tristesse. Ah, c'est comme ça, Genki. Il faut vivre avec son temps. Et on est passé au temps. De la sobriété. J'ai sobriété pensé des alertes, etc. qui vont être une nouvelle fois refondues pour quelque chose de plus sobre bientôt. Ça, t'as l'air perplexe sur ta cam là. Non ? Ou pas réveillé, je sais pas. Oui, parce qu'il y a mon chat qui fait n'importe quoi. Ah, d'accord. Je vérifie c'est quel n'importe quoi il fait. Putain, et je rêve à la récupérer. J'ai mis dans mon placard des sachets de vis, d'un truc comme ça. Et venu le chercher, et putain, c'est devenu son meilleur jouet, quoi. Elle fait vraiment beaucoup de conneries, elle. Oui, elle fait beaucoup de conneries. Ah ouais. Je te vois, hein. Warthog, je sais pas comment il fait avec le nombre de notifications Discord qu'il y a. C'est horrible. Déjà, je lui dis, pourquoi le salon Ange Bob Corner, il est pas tout en haut? Il me dit, bah, parce que j'en ai d'autres. Je vais mettre ceux que tu peux les mettre dans des groupes, les changer, désactiver les notifs, tout ça. Il savait pas. Il pouvait changer l'ordre des salons. Ah oui. Parce qu'il en a beaucoup en plus des salons. Ah bah non, mais il en a genre 50. Hein. Parce que moi, j'en ai quelques-uns aussi, mais... Moi, j'en ai 10, mais déjà, groupes, ça suffit, hein. Je dois avoir moi je peux pas avoir les petites pastilles rouges partout, ça me stresse. Hein. Ah mais j'aime pas du tout, moi. Il faut que ça soit clean. C'est rangé par catégorie, moi, sur Discord. Je suis sur le Discord de 5 ou 6 streamers FF, du coup, ils sont dans un groupe. Dans streamer FF, ouais, c'est ça. C'est ça. Exactement. T'es un gars bien, toi. Je suis un gars organisé, surtout. Ah, ça a pas plu à quelqu'un. Hein. On vient de perdre un follower. Donc... Ah merde. Un mec, tu lui as dit. Ah, c'est Genki, je pense, qu'on lui a dit pour les alertes. Plus de sound d'alerte, c'est bon, il est parti. Oh, il a dit, y a plus de sound d'alerte, je unfollow la chaîne. Un modo en moins, c'est bien. De quoi? Un modo en moins. Ouais, voilà. Exactement, il a dit, de toute façon, c'est scandaleux. Il a été apparemment nous cracher dessus sur plein de sites. Ça, c'est sportif, hein, de live le matin. Quand je vois les mecs, là, ils sont là, ils sont live, ils ont 3000 personnes. Ouais, nous, on a. C'est écrit où est-ce? On a Todalf qui est là. Ouais, bah, c'est par Samuel Etienne, hein. Bah c'est oui, on attend que ça, hein. Mais on disait qu'on a eu des beaux raids, hein, cette nuit. Ouais. Enfin, cette nuit, hier soir. Bah, hier soir et cette nuit. Hein. Les deux comptes, hein. Il va très bien. C'est tellement ton tic de langage, ça. Ah là là.
bientôt aux elfes. T'es prêt du coup à animer tout seul Montpellier ? Moi ? Oui. Ah, tu sais que Vanad il fait pas d'interview, ça faut quand même que tu sois au courant, on avance quand même. Non, mais il en fera, c'est bon là, oh. Non, il en fera pas. Ah ouais, ça m'étonnerait. Ouais. Sauf si. Enfin, non. Enfin, je vais pas dire ça. Et après, t'es foutu, mec, si tu dis quelque chose. Hein. Ouais, c'est vrai. Déjà, t'as commencé avec un sauf que. Donc là, déjà, t'as mis le pied en travers la porte. Hein. Non, mais du coup, je dis plus rien, ça. Bah écoutez, hein, moi je vous propose que je me lance dans pouce-pouce et puis après je vous relaisse, on se remet en voc, hein, peut-être qu'on aura des choses à dire. Pendant le pouce-pouce du coup. Bah peut-être pendant le pouce-pouce ou après. Bah après comme tu veux. Ah attendez, il faut que tu vois si tu récupères le son. C'est vrai que c'est le son, je l'envoie via OBS Ninja. Ok, donc il faut que je te démute de OBS Ninja. Putain, c'est fort. Je change de scène et je te dis ça. J'ai viré la musique intro. Alors, peut-être que je l'ai pas activé mon son dans OBS encore. Hop, voilà, je l'ai activé. Ah oui, c'est bon, j'ai le son. Ça va, on l'a pas en double sur le live, quelqu'un peut vérifier le live ? Bonjour monsieur Baldini, j'ai aujourd'hui l'inauguration du oula, faut pas que tu le mettes en monitoring par contre Vanlad. Ouais, attends. Que du coup ça ressort dans nos... Non, le monitoring est désactivé. Hein. C'est via Todalf, non ? Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Tu l'entends le son toi ? Moi je l'entends, oui. Mais faut que pas que tu l'entendes en fait. Ah non, je l'entends plus là. Bah parce que j'ai mis Kerim Hassan en muet là. Donc là on a plus le son. Mets-moi pas en muet du coup. Ouais. Mais du coup le son sera fort. Départ, vous faites toujours confiance sur moi. Bonjour, bonjour. Ah mais pourquoi ça passe par toi ? Ça c'est pas normal. Ouais. Ça avait pas fait la même chose avec Vortox hier. Là on avait trouvé une solution. Et toi t'es pas censé, en fait, Vanna t'es pas censé l'entendre le son, du tout. Bah pourquoi je l'entends ? Au pire Vanna tu te mets juste en mute hein, sur Discord. Hein. Attends, je vais voir si ça marche. Hein. De toute façon, moi je vais peut-être vous laisser, j'ai travaillé. Ok. Ah ouais, ok. Ça marche. Tu te mets en mute, tu vérifies que ça, qu'on entend bien sur le live. Ouais, ah bah attends, je me mute et je te dis ça. Exactement pareil. En fait, c'est exactement pareil, hein. J'entends. Même si je me mute sur Discord, j'entends tout. Oui, mais c'est pas grave parce que t'entends tout. C'est que moi, je me rentends pas dans le Discord en fait, en double. Ok, bon, bah, c'est bon alors. Et du coup, c'est bon, on n'entendait pas en double ? Bah, attends, je vais revérifier quand même. Bon bah écoute Vanlad, moi je lance mon live pouce-pouce au zoo. Garde juste tes écouteurs pour pouvoir m'entendre peut-être quand je te rendrai la main.
plus Vanlan. Ouais, non, c'est bon, je m'étais mute en fait. Ah, d'accord. Mais du coup, j'entends pas en double, donc normalement c'est bon. Donc je me remute. Ok. À tout à l'heure. Bon courage du coup. Merci. Alors, et bien, comme vous le savez peut-être, je vais monter un petit peu mon micro pour m'entendre en retour. Avec Warthox, on avait fait un follower goal. Je crois qu'on peut encore les avoir quand on fait goals comme ça. Voilà, quand on a eu 700 followers, on s'était engagé à moi faire un live pouce pouce et lui faire un live Adibou. Live Adibou qui a été réalisé cette nuit à 23h par Warthox. Il s'était engagé dessus, il l'a fait. Moi de mon côté, il restait donc pouce 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 si vous n'avez pas connu. C'est donc ce petit personnage là qui a eu plusieurs jeux. Je sais plus combien il en a eu. En anglais, c'est put put P-U-T-T. Et du coup, voilà, c'est des jeux éducatifs de l'époque. Vous voyez la petite flèche où tout est parlé, tout est doublé. Là, vous allez pouvoir entendre. Regardez, si par exemple je clique ici. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui a lieu l'inauguration du zoo de Tacoville. D'après Stable Australien, il y aura des lions, des phoques, des girafes et même un bébé hippopotame. Alors, je vais vérifier qu'on entend bien. C'est bon, on entend bien. Qui vous chante? Au passage, exceptionnel. Et donc, il y a une petite histoire qui dure un peu moins d'une heure et on va essayer de la faire. Je me souviens plus. On peut vraiment cliquer dans plein d'éléments du décor. Regardez, vous cliquez sur une pierre, il se passe quelque chose. Vous cliquez sur l'eau. Il y a vraiment le côté touche à tout en fait dans Pouce Pouce. C'est un truc de fou. Donc, les petites flèches qui nous indiquent où est-ce que tu veux aller. Et hop, t'as Pouce Pouce qui, comme ça, se déplace d'un écran à l'autre. Hey, c'est une pancarte du zoo de Tacoville. Oh, ça ne doit plus être très loin. Ah bah. Ah, je peux aussi cliquer là. Ce sont un peu mes objets qui vont me permettre de résoudre les énigmes compliquées de pouce pouce bien sûr. Waouh, le zoo de Tacoville, ça a l'air génial. Allez, c'est parti pour le zoo de Tacoville, on va dinguer. Qui est là? Allô, Sam l'Australien, c'est moi, c'est Pouce. Sam l'Australien, quoi. Je suis venu livrer de la nourriture pour les animaux. Merci d'être venu, Pouce. Il a un accent complètement... Merci d'être venu, Pouce. On va bien s'amuser. Salut, Sam l'Australien. Je viens livrer la nourriture pour les animaux. Et ça me... le Texan, plutôt, là. Tu sais, je suis content que tu sois venu. On a eu une matinée complètement dingue. Complètement dingue. Avec l'ouverture du zoo, on a encore du pain sur la planche. Cette animation, elle est hyper perturbante. Des travaux. Mais le plus grave, c'est que certains bébés animaux ont disparu. Je les trouve. Le son du jeu est un peu fort. Hey, c'est mieux là. Chercher les bébés animaux pour s'occuper des derniers. Dis-moi si c'est mieux. Ok. Ok. À toi de jouer, Pouce Pouce. Avant de les avoir tous retrouvés. Alors je compte sur toi, Pouce Pouce. Tiens, ça devrait t'aider. Voilà la liste des animaux disparus. Badaboum l'éléphant. Badaboum l'éléphant. Massa la girafe. Zanzibar l'hippopotame. Ils ont tous l'air sympas, ces animaux. Et Diabolo le serpent. Diabolo le serpent. Je vais vous aider à les retrouver. Ben, je vais vous aider, moi, monsieur le Texan. Australien, pardon. A plus tard, Sam. Chigote, oui. Ah, ici, on peut faire des petits trucs. Là, il y a un plan. C'est la carte du zoo de Tacoville. C'est la carte du zoo de Tacoville. Donc, je suis ici. Oui, il est immense, ce zoo. Hein. Ou pas. Donc ici, j'ai, vous voyez la liste des animaux qui est apparue ici, que je peux consulter à tout moment. Badaboum l'éléphant, Massaï la girafe. Donc là, il répète 15 000 fois la même chose, on va se barrer. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment-là? Oh ! Salut Pouce-Pouce ! Salut Pouce-Pouce ! Merde, j'ai pas entendu son nom. Je me demandais ce que vous aviez à boire ou à manger. Tout est là, Pouce-Pouce. Chocolat chaud, blablabla, et beignet. Bah, file un beignet, mec. Je voudrais des beignets, s'il vous plaît. Bonne idée. Et voilà. Et c'est la maison qui offre. Et je prends un chocolat chaud. Un chocolat chaud, s'il vous plaît. Bonne idée, Pouce-Pouce. J'y vais tout de suite. Ça, c'est gratos. Et rien. Et
Et voilà, c'est ma journée. Merci. Ça roule, Vanna, là, tout à l'heure. Ouh, c'est brûlant. C'est brûlant. Ah, bah, une barbe à papa, tant qu'à faire, nous, on prend tout. Hein. Je voudrais de la barbe à papa. Le rat. Ça marche. Ça marche. Merci. Ah, bah, il a déjà mangé, pouce pouce. Okay. Le chocolat est encore bouillant. Et le beignet? Ce qui est bien avec ces beignets, ce que vous n'êtes pas au courant, c'est qu'ils sont illimités. Hop, j'en reprends un, bim bim bim. J'en reprends encore un, non? Est-ce que je peux prendre le beignet et le donner au chien? Non, je pourrais pas faire ça. Je peux pas faire ça. Pouce pouce n'est pas prévu pour ça. Oh oh, assez de beignets. Oh, comment ça, assez de beignets? Ils étaient pas illimités. J'en reprends. Je voudrais encore des beignets. Je voudrais encore des beignets, s'il vous plaît. Mes beignets, attendez quoi? Oh, il a changé. Il a pas dit la même phrase. Est-ce que je peux... Il va me dire, non, tu as déjà des beignets. Je ne veux plus de beignets. Il oh m'en reste encore. Putain, je suis choqué. Choqué déçu. Choqué déçu de Pouce Pouce. On va aller ici. À la boutique de souvenirs. Appareil photo gratuit. Il est écrit appareil photo gratuit. Oh. Hein? Mais voilà Pouce Pouce. Oh, salut. Ça va être une sacrée journée. J'ai hâte que le zoo ouvre ses portes. Je vais pouvoir vendre plein de super cadeaux. Salière gorille, poivrier babouin, gadgets souvenirs pour embellir vos voitures. Et même des appareils photo gratuits. Super, les appareils photo de Léa. Prends-le Pouce Pouce. Chaque client a droit à un appareil photo gratuit. Après tout, c'est l'inauguration aujourd'hui. Merci Léa. Ah ben, je me rappelais de ça. On peut prendre des photos de tout et n'importe quoi dans ce jeu. Voilà. Et on peut l'imprimer aussi. Je sais pas à quoi ça sert. Ah, ça m'a ouvert une fenêtre de l'ordi pour imprimer. On va quitter ça. On peut faire un selfie. Je devrais garder ma pellicule pour prendre les animaux du zoo en photo. Comment ça? Celle-là sera réussie. Voilà, j'ai le chien. Easy life. Je veux ça aussi. Non, je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Il est écrit zoo. Je me barre. Je vais aller prendre lui en photo. Parce que moi je suis un complétiste. Hein. Ici on a décidé de prendre toutes les photos pour gagner le trophée platine de Pouce Pouce. Le petit oiseau va sortir. Clip. Stylé. Alors, le royaume des glaces ou le royaume de la jungle? Alors, ils n'ont pas été très difficiles hein, sur les titres. T'as le royaume versus le royaume. Eh, t'as le royaume des prairies. Eh ben, on va aller au royaume des glaces. On est des ouf. Ouh, ça glisse. Hé, hey, il y a une corde là-dedans. Oh. Ça peut toujours servir. Bah, oui, ça peut servir, ça se bouge. Stylé, je prends une photo de ça ou quoi? Je devrais garder ma pellicule. Oh, il veut pas prendre de photo. Les animaux du zoo en photo. Il fait bien froid au royaume des glaces. Ouais, mais on s'en fout, ça, qu'il fait froid, Pouce Pouce. Garde toute cette neige là-haut. Ça a l'air dangereux. On ferait bien de ne pas faire de bruit, Peps. On va provoquer une avalanche. Un chanteur, ça, n'est pas. On l'a échappé belle. Oh mon Dieu, cette avalanche a bien failli nous entraîner. Ah, il faut un chasse-neige. Maintenant, on fait comment pour s'en sortir? Je n'arrive pas à conduire dans la neige. Oh, Pouce Pouce, t'arrives pas à conduire dans la neige, quoi. C'est quoi ça? On va au royaume de la jungle. Salut, toi. Tu veux prendre en photo, lui, ou quoi? Le petit oiseau va sortir. Clip. Il est content.
solide. Allez hop, l'argent pousse pousse, tout le monde s'y attrape. C'était amusant. Il dit ça au crocodile qui attendait que de le bouffer. Que tout le monde sourit. Ah là, pick-up ça. Regarde, oh, une boîte à outils. Je ne crois pas que Sam l'Australien m'en voudra si je les lui emprunte. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Je ne crois pas que Sam l'Australien m'en voudra si je lui vole sa boîte à outils. Allez, Pauline! Hé les copains, qui veut une moustache? Une moustache? J'en fais mon affaire! Pistache est une vache qui a une grosse moustache. Tous les chats se lavent. Moustache! Putain, c'est parti là! Attends, il faut que je me la refasse parce que je suis pas sûr là. Que dites-vous d'un moustique, les gars? Facile, super facile. Oh, facile, j'en connais un. Je connais un moustique, c'est un drôle de loustique, mais le hic... Aïe, 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 c'est qu'il pique. Je... On reviendra tout à l'heure. Eh, c'est un serpent, lui. Ah ouais, c'est la mère. Où es-tu? Bonjour, vous devez être Madame Boa. Je suis Pousse Pousse et je recherche des bébés animaux disparus. Vous remarquez que ce serpent a des sourcils. Tu as retrouvé mon bébé, bien bonjour. Il me manque tellement que j'en pleure. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais j'ouvre l'œil. Je vous rappelle que du coup, c'est un jeu éducatif qui nous ment. Et tu as vraiment honte, crois-moi. Merci, Madame Boa. Bah, de rien, Pousse Pousse. On va prendre une petite photo parce que t'es triste. Est-ce qu'elle va être triste ou souriante sur la photo? Oh, cette photo, quoi. Oh, quelle horreur, Pousse Pousse. Il a aucune pitié. Maintenant, on va tout savoir sur les boas constricteurs. Les boas constricteurs vivent en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ah, c'est ça, tout savoir, c'est ça? À quoi bon les nouvelles maisons? Ça m'en fait du diabolo. Attends. Les boas apprécient particulièrement l'humidité de la forêt tropicale. Ça fait. Les boas sont des serpents qui se déplacent lentement et ils ne mangent pas plus d'une fois par semaine. D'accord. Quand un boa a peur, il peut émettre un sifflement qu'on entend à 300 mètres à la ronde. 300 mètres à la ronde. Certains boas adultes mesurent 1 mètre de long, d'autres vont même jusqu'à 6 mètres, ce qui correspond à la hauteur d'une maison d'un étage. Est-ce qu'ils vont nous dire que c'est sourd ou non? Comme tous les serpents, les boas ont besoin de chaleur. Et s'ils ont trop froid, ils ne peuvent pas se déplacer du tout. Les boas constricteurs sont d'excellents nageurs. Sachez que les boas constricteurs ne sont absolument pas dangereux. Une mère boa peut donner naissance à 6 bébés à la fois. Alors, ils ont quand même dit que c'était pas dangereux. Ouais, quand un bébé serpent grandit, sa peau se détache ou elle s'étend pour s'adapter à la croissance du corps. Les boas constricteurs vivent en Amérique centrale. Ok, on a fait le tour. On a fait le tour. Comment faire pour atteindre la rivière? Je ne peux pas y aller à la nage. Ben non, Pousse Pousse. Il est écrit bassin de la change. Hé, il y a un radeau. Oh non, Peps! Oh, Peps, hein, t'es tout mouillé, Peps. Si Peps est trop lourd pour le radeau, il faut que je le répare avant de pouvoir m'en servir. C'est creepy, ça, hein? Ah, ok, bien d'accord. Okay. Attends. Ouais, je reviendrai tout à l'heure. Une girafe. On ne pourra jamais baisser le pont tant que ce bloc de pierre restera en travers. Non, mais vous inquiétez pas. J'ai une ficelle. Je ne peux pas l'atteindre d'ici. C'est une corde. C'est une corde.
Si seulement que je ne peux pas l'atteindre d'ici. C'est toi, Masai ? Bien sûr. Je suis dans le pétrin. Je me suis retrouvée coincée ici et j'ai pas trouvé de moyen pour abaisser le pont. Il y a un énorme rocher au travers et je ne peux pas le pousser toute seule. Si seulement ce vieux pont-levis pouvait s'abaisser. Bon, je peux peut-être t'aider. Si tu réussis, je serai la plus heureuse des petites girafes. Ouais bah, ma maman me manque. Ma maman... Oh, je me souviens de cette phrase. Elle va le redire. Je ne pense pas pouvoir faire basculer le gros bloc de pierre avec ça. Ah merde. J'étais sûr que ça allait marcher. C'est le moment de prendre une photo de la girafe triste. Que tout le monde aucune sourit. Pitié. Que tout le monde sourit, t'es coincé de l'autre côté. Ah mais ces photos, je me rendais pas compte qu'elles étaient horribles. Allez, bim les gars, c'est parti. Qui joue de la guitare? Moi, mais pas très bien. Allez, ne sois pas modeste. D'accord. Avec ma guitare, je joue et c'est bizarre comme... Allez, un effort. Comme une vraie superstar. Oh, là. Guitare. Salut Kif. Ouais, ça se passe bien, les autres sont un peu en train de dormir, je crois. J'espère que tu vas bien. Et là, pour l'instant, c'est juste gênant, ce jeu. Mais écoutez, quand on s'est engagé sur des choses, on va jusqu'au bout. Oh, il y a un singe, là, je l'avais pas vu, là. Il était planqué, ce singe. Je vais le prendre en photo. Que tout le monde sourit. Ah voilà, impeccable. Eh, coucou. Et on va aller, du coup, au royaume de la prairie. Ça va sûrement nous débloquer la situation. Oula. Point de vue. Il est écrit point de vue. Ah bien, ouais, j'ai appris à lire. Oh, je ne peux pas passer, il y a un tronc d'arbre sur la route. Ah, il y a un tronc d'arbre. Génial. Bim. Maintenant, la route est dégagée. Oui, la route est dégagée. Il est écrit... Lac. Je devrais garder ma pellicule pour prendre les animaux du zoo en photo. C'est pas des animaux du zoo, ça? Que tout le monde sourit. Quand même. Le petit oiseau. Ah bah oui, va c'est partir. Le jeu claqué au sol, hein. Ah bah voilà. Dans le fond là. Le petit oiseau va sortir. Oui bah rien du tout qui sort pour l'instant. Bah on s'est fait photobomber par une... Ça c'est quand même scandaleux ça. Que tout le monde sourit. Est-ce que j'aurai le trophée platine grâce à toutes mes photos? Telle est la question. Que tout le monde sourit. Ah, parfait. Ah bah, ils sont venus, je les ai pas pris en photo tout à l'heure. Ils étaient partis. Que tout le monde sourit. Que tout le monde sourit. Parfait. Si je clique dessus, ils se barrent en fait au fur et à mesure, non? Ouais. Gamin. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu as une minute pour une partie de chat qu'on fait? Ah bah, moi je suis prêt. Allez, let's go. On va bien s'amuser. Tu dois choisir un niveau de difficulté. Ouais, moi je suis facile. D'accord, facile. C'est chaud les gars. C'est très chaud, pouce. Maintenant, essaie de trouver ça des pas. Super méga giga hyper smack. Partie 2, ok, partie 2. Cherche 5 gazelles. 5 gazelles. T'es plutôt doué pour ça. Mais ouais, mec, je le sais. Je sais. Cherche 5 rhinocéros. 5 rhinocéros, putain. Ah, sont... C'est quoi ce bruit? Mime. T'es plutôt doué pour ça.
Ah, quatrième partie. Maintenant, quel bruit. Essaie de trouver un flamant rose. Yes, je suis chaud. Eh, c'est pas un flamant rose, ça. On a essayé de m'avoir. Un pan. On essaie de m'arnaquer, hein. Oui, oui, c'est un flamant rose. Je suis sûr que c'était la dernière partie, parce que j'en ai marre. Je veux le faire en 10. C'est super ce que tu fais là! Non, mais partie 5, non. Maintenant, cherche 5 zèbres! Attends, on va quitter. Tu veux vraiment arrêter? Oui, je veux quitter. Ok, super partie! On va reparler à lui. On rejoue. Et on va voir le mode difficile. Allez, que le jeu commence, on va bien s'amuser. Tu veux recommencer là où tu t'es arrêté? Non. Quel niveau de difficulté veux-tu pour ce jeu? Difficile. Okay, okay. J'avoue que je suis impressionné. Ah ouais, 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 moi aussi. Partie 22. Essaie de prendre 9 guépards. Et 10 flamants roses. Et 10 gazelles. Guépard. Gazelle. Gazelle. Guépard. Gazelle. Ouais. Il perd ses petits points, j'avais pas vu. En fait, c'est pas plus dur que terre, c'est juste qu'il y a plus d'animaux, quoi. T'es sûr que tu veux? Oui, je veux quitter, là. Oh, oh, oh. Ok, super parti. Bon. Alors, je vais partir d'ici, parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même avancer dans cette histoire de pouce-pouce, parce que bon... Rendez-moi mon Badaboum. Oh là, ils vont nous raconter tout sur les éléphants. Excusez-moi, c'est vous la maman de Badaboum? Oui, mon chéri. Il me manque tellement que j'ai le cœur brisé. C'est toi qui es chargé de retrouver les bébés animaux? C'est bien moi. Oh, merveilleux. J'ai le pressentiment que tu vas retrouver mon Badaboum. Moi aussi, ma maman Bata. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance, pouce-pouce. Merci, merci. Alors, génial! On va tout savoir sur les éléphants. À l'état sauvage, les éléphants d'Afrique vivent sur le continent africain. Captain Obvious. Je veux juste quand même prendre une photo de la maman triste, parce qu'il faut quand même se souvenir de ce moment. Le petit oiseau va sortir! Putain, mais Pousse-Pousse, il est sans âme. Vous êtes triste? Je peux vous prendre en photo triste, s'il vous plaît? Merci. Hop là! Hop là, hop là, hop là. Alors, attends, j'ai pas mis ça. Maman, papa. Ah, il y a quelqu'un de triste ici, non? Ah non, c'est hey, tu dois être Galipette. Mais t'es Galipette. Que s'est-il passé? Je m'amusais comme une folle à faire des ploufs et des plafs. Des ploufs et des plafs. Le barrage est fermé. On se parlait beaucoup de choses ici. Je peux peut-être t'aider? Oh, oui, j'ai une boîte à outils, moi. Je parie que si on arrive à ouvrir le barrage, tu pourras rentrer à la nage. Sans problème, eh je oui. suis une super extra top nageuse extraordinaire. Ah, c'est chaud ça les gars. Non, bon, c'est le triangle. Mais qu'est-ce que tu fais, Pousse-Pousse, là? Tu vas l'utiliser ou tu vas pas l'utiliser? Mais oui, ça rentre. Prépare-toi, Galipette, tu iras à la nage. Ah, voilà, c'est la teuf. On a sauvé un animal. Ah, Snaz était resté bloqué. Ok, il nous reste un jour 9h34 de live. Et bonne chance. Bonne chance, quoi. Par contre, le café ou le chocolat chaud, là, Pousse-Pousse, faudrait peut-être le boire, parce qu'il y a quand ça... 5 animaux à sauver avant que le zoo puisse ouvrir ses portes. Ça marche, Pousse. Non, mais il est plus chaud du tout là, il est froid de ouf. Ah voilà. Assez de chocolat chaud. Oui, bah écoute, ce que je te dis, moi. Ah la maman triste. Oh, j'ai oublié de prendre en photo. Si je vais sur le point de vue, ça donne quoi? Waouh! Si là. Si on voit tout le royaume des prairies, c'est magnifique. Cool.
Allons là-bas. Oh, la maman girafe. Ma petite Marseille n'est pas toujours très stable sur ses quatre savants. On va prendre en photo. Le petit oiseau va sortir. Moi, j'ai zéro respect. Ah bah, elle est contente, elle. Ouf. On va apprendre un tas de choses. Je pense que les girafes sont en Afrique aussi. À l'état sauvage, les girafes vivent sur le continent africain. Ouais, voilà. Hop, allez, on s'en va. Ah, plein de lions. J'ai une petite couronne. Où es-tu, Kenya ? Bon, du coup, on va les prendre en photo. Que tout le monde sourit ! Oh, ils sont tristes. Et eux, on peut les prendre en photo, pas ? Que tout le monde sourit ! J'avoue qu'ils ont pas trop souri, les autres. Oui, non. Les marre de lions. Oh, petite chatouille, là, tranquille. Là, on va me parler des lions, mais j'ai pas envie. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux ma maman. Putain, je me souviens tellement de cette scène avec la souris le et la, l'éléphant. Salut, Badaboum. Aide-moi. Je suis attaqué par une souris géante. Une énorme souris. Ah non, c'est une petite souris. Elle m'a sauté dessus et j'ai eu vraiment très peur. Tu peux me tirer de là? Je t'en prie. Je vais essayer. Ne reste pas là. Minou, minou, minou. Va-t'en. Bon, je crois qu'il faut trouver un autre moyen de la faire partir. Les beignets, peut-être. Pour plus vite que l'éclair. Va chercher, petite souris. Premier coup, quoi. Oh, pardon, je veux dire énorme souris effrayante. Oh là là, one shot cette souris. Oh, merci. Deuxième animal. Tu es un animal. Deuxième animal souris. Tu vois, Badaboum, c'était rien. Maintenant, tu ferais bien de te dépêcher de rentrer chez toi. Maman, 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 Badaboum est de retour. Il me reste 4 animaux à sauver avant que le zoo puisse ouvrir ses portes. 4, les gars, plus que 4. C'est la folie. Alors attendez, j'ai un appel et comme je vais revoir sur un colis, je sais pas. Pas du tout, c'est un recruteur. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On prend une pelle. La pelle pourrait être utile. Je crois que je vais l'emprunter. La pèse? Ça me va super bien. Et qu'est-ce qui lui va super bien? Ah, il peut changer de couleur. En avant toutes! Je vais faire des essais de peinture. Ça sera amusant. Oh là là! Rouge bolide! C'est sûr que le chien il allait prendre une couleur rouge. Vous en pensez quoi? En rouge c'est bien? Ça me va super bien. Oui, bah de toute façon tu fais que de dire ça. Celle-là me chatouille un peu. Est-ce que je peux le prendre en photo? Je devrais garder ma pellicule pour prendre. Celle-là sera réussi. Personne s'attend à ce que Pousse Pousse soit rouge. Oh bah elle est bien réussie, ouais. Donc bon bah là je reprends rien. Donc là c'est bon, c'est fait. Mais c'est un petit truc. Ils ont dû se taper des barres quand même à faire tous ces petits trucs. Donc ça c'est la girafe. Ah la pelle ça va me permettre de déblayer la neige. Et le bâton de réparer le radeau. C'est parti. Et yo, tu dis comment ça va? Comment ça va bien? Génial! Maintenant, je peux recommencer à rouler. Ah oui, il a fait un tunnel comme ça, quoi.
Mais pousse, pousse. Ah, le serpent perdu, il est là. Je Eh ben, je te prends en photo. Que tout le monde sourit. Que tout le monde sourit, t'es perdu. Allez, hop, impeccable. Ah, il est content. Je rêve d'une couverture et d'un soleil bien chaud. Tu ouais. dois être Diabolo. J'ai vu ta mère. Tu lui manques beaucoup. Elle me manque aussi. Ouais. J'ai besoin de quelque chose pour me réchauffer. D'accord. Après, je pourrai rentrer à la maison. Tu D'accord. peux m'aider, petite voiture. Je m'appelle Pousse Pousse. Et je ferai de mon mieux. Merci, Pousse Pousse. Eh ben écoute, ça va, ça va. Moi, j'étais pas pendant le live de la nuit, donc ça va encore. Alors, on va aller par là-bas parce que moi, Ah, ils font de la musique aussi. J'ai vu, il était perdu là-bas dans le vent. Notre salut, Galipette. Bonjour, Pousse Pousse. Maman, papa, c'est Pousse Pousse. Oh, Pousse Pousse. Nous te sommes si reconnaissants d'avoir trouvé Galipette. Merci d'avoir sorti notre Galipette du pétrin. Mais il a des lunettes, lui. Y a pas de quoi. Celle-là sera réussie. Alors, parfait. Et eux, peut-être. Le petit oiseau va sortir. Et Galipette qu'on a sauvé aussi, non? Ah, nickel. Que tout le monde sourit. Photographe professionnel de plus. Et là, toboggan. On peut y aller. Écrit toboggan. Bah oui, on y va. Non. Là. Oh là, Pousse Pousse, il se marre. Il a perdu des vis. Notre fille est la meilleure glisseuse de l'équipe junior des phoques. Vas-y, Galipette, montre-lui de quoi tu es capable. C'est un phoque? Youpi! J'aurais dit que c'était une otarie, moi. Je pense qu'ils se sont trompés, là, dans la trad, non? Là, dans le fond, on voit qu'il se passe quelque chose. Ah! Mes pieds sont gelés! Celle-là sera réussie. Tac. Nous, toujours, on prend des photos de ce qui se passe. Au cas où, il faut se souvenir de tout ça. Celle-là sera réussie. Bah, bien sûr, Pousse Pousse, que ça sera réussi. Voilà. Excuse-moi, c'est toi, Zanzibar? Zanzibar. Oui. Tu m'as tout l'air coincé sur cet iceberg. Oui, et alors? Je vais t'aider à t'en sortir. Tu pourrais? Vrai de vrai? Bien sûr. Il faut simplement que je trouve une idée. Corde? Je ne crois pas que ça va m'aider à atteindre le petit hippopotame. Si j'arrive à déplacer ces icebergs, je pourrais peut-être construire une passerelle jusqu'à la rive. Ah. Mais non, c'est pas bon ça. Celui-là. Ah yes, bien ouais. Bravo. Oh, ça c'est stylé ça. Le délire et les bruitages. Allez Zanzibar. Il a dit la même chose que moi. Oh, non, même pas peur. Rien de neuf. Mon père sera fier de moi. Une tonne de merci, Pousse Pousse. Maintenant, je peux rentrer chez mon papa. Il n'y a pas de quoi. Amuse-toi bien. J'espère sauver encore trois animaux. J'espère. Gla 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 gla. Qui est fou? Bah oui, mais bon, écoute, je peux rien faire pour toi. Je me suis lancé dans un match de hockey, personne s'y attendait. Bim, qu'est-ce
Attends, cette IA, elle a l'air claquée au sol. Hein. J'ai failli en prendre un. Et on va se barrer d'ici parce qu'en fait ça ne s'arrête jamais. Ce jeu. Oui, on a compris que tu étais gelé, toi. Mais j'ai pas de, pour l'instant, j'ai rien pour te chauffer. Alors. On va aller là-bas. Plus difficile à présent, une geisha. Oh oh, une geisha. Je m'en charge. Cette geisha est un vrai chat et nous régale notre chat sur un vieil air de cha-cha-cha. Quel java! What the fuck? Geisha. Ok. Ah non, là on peut toujours pas. Ah ouais, non, mais là, il s'est passé un truc gênant, quoi. Du coup, je vais par là-bas. Salut, toi. Parfait, ça. Voilà, c'est réparé, impeccable. Voilà, le radeau est réparé. Maintenant, près de chez moi, pouvons naviguer. Photo. Celle-là sera réussie. Bah bien sûr. Elle est rapide. Non, pas elle est rapide. Il y a le lion là-haut. Coucou en bas. Hé, là-haut, c'est toi qui es bien la petite. Et bonjour, du coup, comment ça va? C'est bien moi. Comment ça va? Tu peux bien descendre? Je suis coincée sur cet escarpement. Tu peux sauter, hein? Pas dans l'eau, je ne sais pas nager. Alors il va falloir inventer autre chose pour te sortir de là. Tu ne te passes pas comme ça, me ferait plaisir. Eh bien écoute, ça va, ça va. On est dans un jeu de qualité. Je ne crois pas pouvoir lancer la corde jusqu'à Kenya. Je pourrais peut-être la lancer d'en haut si j'arrive en haut de la chute d'eau. Ah, bien vu, ça pousse, pousse. Putain, il est malin ce pousse, pousse. Celle-là sera réussie. Voilà, toujours prendre les gens coincés en photo. Le petit oiseau va sortir. Parfait. On peut pas oublier de prendre tout en photo. Celle-là, tu l'as fait celui-là? C'est ça, il est traumatisant. Hein. Moi, je vais aller là-dedans. Oh, c'est sombre par ici. Bah écoute, on y va. Hein. On a peur de rien, pousse, pousse. Ah bah on est de ce côté-là. D'accord, ma taille. Tiens-toi prête. Ça y est. Et bah voilà. Je me suis jamais autant amusée. Pousse, pousse, sauve le zoo. Il suffit de baisser le pont-levis. Exactement, c'est ça. Il suffit de baisser le pont-levis. Bah faudra que je retourne de l'autre côté, on verra ça plus tard. Mais des lions, hein. C'est intéressant, ça. C'est Kenya. Oui, c'est moi. Oui, bonjour. Je l'espère. C'est moi, je suis là. Eh non. J'y suis presque. Je D'accord. suis désolé. Je crois que je vais avoir besoin d'autre chose pour te tirer d'affaire. Gros sourcil, pousse-pousse, là. Moi aussi. Ça fera peut-être l'affaire. Mais oui, je sais que ça fera l'affaire, tu me l'as dit tout à l'heure. Oui, ça y est, je l'ai. Tu as réussi. Bien sûr. S'il vous plaît. Merci de m'avoir sauvé la vie. Comment tu t'appelles déjà? Pousse, pousse. Eh oui, pousse, pousse. Il n'y a pas de quoi. Salut.
salut, Kenya. L'ancêtre de Carl, un peu, ouais. Les animaux à sauver avant que le zoo puisse ouvrir ses portes. Eh, j'ai presque tout sauvé là, en vrai. Il me reste le serpent, la girafe. Le serpent, j'ai pas encore la technique. Il faut le réchauffer. Ah, oh, le chocolat chaud. J'aurais pas dû le boire. La girafe est là-bas. On va faire rechanter les mecs gênants tout à l'heure, bien sûr. Et voilà. Bien sûr qu'on a réussi. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Maintenant, je vais retrouver ma maman. Bah vas-y. Je suis contente que tout se soit arrangé, Masai. Fais attention en rentrant chez toi. D'accord. Je dois trouver le dernier animal disparu. Exactement. Alors, vous avez quoi à nous chanter, vous? J'aime pas ce jeu, mais bon, tu vas. Tuba, tout arrive pour moi. Écoutez ça. Avec mon tuba, je suis descendu très bas sous l'île de Cuba. Mais n'importe quoi. Tuba. Bah, faut qu'on le refasse une fois, parce qu'ils en ont combien comme ça? Allez, maintenant, une girafe. Bon, une girafe, ok. J'en ai une. Ah bon? Oui. J'ai rencontré une girafe complètement pâle en carafe près de sa race. Oh la oh, la girafe! Oh, girafe! Ça se passe de commentaires, je pense. Plus qu'un bébé animal, et Sam l'Australien peut commencer l'inauguration. Exactement. Ouais, Sam l'Australien, hein. Bonne journée, Pousse-Pousse. D'autres animaux sauvés? Bien sûr, j'en ai retrouvé 5. Oh, Carl Soulagement. Qui as-tu sauvé? Badaboum l'éléphant, Kenya la jeune lionne, Masai la girafe, Galipette la petite phoque, et Zanzibar l'hippopotame. Sans sas, mon petit gars. Continue comme ça. Merci, d'accord. Merci, d'accord. Le petit oiseau va sortir. Merci, d'accord. Je voudrais un chocolat chaud, s'il vous plaît. Bonne idée, Pousse-Pousse. Bonne idée, Pousse-Pousse. Putain, mais cette voix, par contre, elle est hyper connue, en vrai. J'ai jamais regardé qui a travaillé sur, voilà, le... c'est ma tournée. Merci. Sur le, les voix de Pousse-Pousse. De toute façon, c'est des comédiens qu'on a déjà interviewés. Je crois que je vais le garder pour plus tard. Je sais pas si je pourrais voir ça dans les crédits. Je crois que je vais le garder pour sauver le dernier animal là, qui est un serpent. Je voudrais bien laisser creux ce serpent, mais bon. On y va quand même. Je suis aussi physique. Et voilà. Un chocolat chaud. Oh bien. Merci, Pousse-Pousse. De rien. Je me sens beaucoup mieux. Je vais ramper jusqu'à la maison. Au revoir. Salut, Diabolo. Salut, Diabolo. J'ai sauvé tous les animaux disparus. Ce serait bien d'aller raconter ça à Sam l'Australien. Hé, hey, Sam l'Australien, j'ai sauvé tous les bébés animaux. Magnifique. Pousse-Pousse, tu as sauvé le zoo. Je ne sais pas comment te remercier. Suis-moi. J'en veux plus de cette voix. Ah bah voilà, c'est la place. Pour la grande inauguration du zoo de Tacoville. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui m'aide très cher, sans lequel nous n'aurions jamais pu ouvrir le zoo. Merci à Pousse-Pousse pour son courage et sa bravoure. Nous lui remettons maintenant la médaille et directeur junior du
quand même noter que ce camion a un peu de barbe. Ouais. Merci, une récompense bien méritée. Merci, sable australien. J'étais content de vous rendre service. Voilà. Et maintenant, Couscous, à toi l'honneur de couper le ruban. Merci, sable australien. Le ruban. On a réussi, les gars. C'est chaud, mais on l'a fait. Profite du zoo, Couscous. Ça va être une grande journée. Bien sûr, Sam l'Australien. Bien sûr. En avant toutes. Ouais, je sais pas combien ils vendaient ça. Mais alors, Pousse-Pousse sauve le zoo. Dessin, Brad Carlton. Ron Gilbert et Brad Barrett. La DA, Brad Carlton. Brad Carlton, visiblement, il était quand même plutôt chaud. Et Brad Barrett, le mec, il a été programmeur, mais également dans la direction. En même temps, je pense qu'à programmer, c'est pas hyper dur. Ah non, il y en a d'autres. Hein. Ok. Ah, une petite équipe quand même. Ok, ok, animation graphique. J'attends les voix. Programmation du son. The Fat Man, George Alistair et Singer. Nous les azous, frappa dingo. On vous attend tous, illico. Au paradis des animaux. N'ayez pas peur, il s'en est jamais de dialogue écrit par Laurie Bowman. Oh, oh, chez les kangourous, ou, ou, et les tigres aussi, i, bienvenue au zozozo. Programmeur système. Vous venez d'un beau soto. Entrevoyez nos zigotos. Les garouillas qu'ils sont mortos. La saga des lions du Congo. Des super gadgets à gogo. Tout pour les méga chiboulots. Bienvenue au. Appliquez vos lots et voyez nos cocos. Les kangous. L'éléphant et le singe. Programmation internationale. Pitch of Fame. Responsable des tests. Testeur. Brian Miller. Auguste Miller. Je connais ça, pardon. Il y en a eu des tests. Une création de Shelley. Un dernier refrain rigolo, une idée pas trop Caroline Moreau pour la France. Puis d'où la chanson tombe. Emmanuel Cousseau, le casting. Oh, oh, les voix françaises. Jacques Huberger, Brigitte Lecordier. Brigitte Lecordier, ça doit être Pousse-Pousse, je pense. Calimao, Marbara, Tissier, Marie-Vincent, Roger Carrel, François Jean, Eric Mouffier. Et Brigitte Lecordier, je pense qu'elle a fait la voix de Pousse-Pousse. Parce que je la reconnais maintenant. Je me dis que c'était la voix de Sangoku en fait, Pousse-Pousse. Eh ben non, ouais, c'est vraiment elle. Attachez vos ceintures, gonflez vos pneus. Si vous habitez à Tacoville, vous devez déjà être couché alors qu'il est. Cette histoire là. Qu'est-ce que c'est que ce message? Pousse-Pousse au zoo. Eh ben merci à tous d'avoir regardé ce live Pousse-Pousse. Il est 9h20. Je devais live jusqu'à 11h. On me demande si je veux m'arrêter. Oui. Bonjour, Vanad, est-ce que tu es là? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce live 48h? Je ne sais pas. Je vais lui envoyer un message à Vanad. Pour l'instant, pas de nouvelles. Il nous reste donc un jour, 9h et 8 minutes. Ça en fait. Ça en fait, ça en fait. Bon, je pense que là, ça dort. On va essayer de trouver autre chose. Hein. On va essayer de trouver comment s'occuper.
Regardez sur le Game Pass, il y a des nouveaux trucs. Désolé, il y a des ralentissements de la cam quand j'ouvre une application. Alors... Ah bah voilà, on va se lancer, tiens, on va se faire un petit... Ça fait longtemps que je l'ai pas lancé. Flight Sim. Ah mince, il a une mise à jour. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ah ben ça va bien. Bah pouce, c'est fini. Hein. Oui, je sais, j'ai vu le message. Du coup, je suis venu. Ah ouais. Il se passe quoi du coup dans cette, à Clermont ? Bah, clairement, il y en a toujours deux qui dorment et puis je viens de finir la vaisselle, donc voilà. Donc c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'aurais pu essayer d'occuper un peu le temps. Après, si t'es dispo pour discuter, c'est encore mieux, quoi. Bah là, je suis dispo. Hein. Alors. Comme ça, j'ai le temps de changer les piles de l'autre casque. Oui. J'avais tout à l'heure, c'est bon, il a... T'as réussi du coup à ouvrir le... Ouais, ouais, c'était bon. Perfecto. Je vais essayer de ouvrir l'autre maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ouais, je l'ai coupé. Hop. Hop, hop, hop. Parfait. Du coup, je sais pas si t'as vu, la voix de Pousse-Pousse, c'est Brigitte Lecordier. Ah bon ? Oui, oui. Bah non, du coup, j'ai pas vu. J'ai attendu la fin pour savoir, du coup. T'as été vérifié ou c'est... c'est... Ouais, j'ai attendu les crédits. Ok. Hop. Bah, du coup, tu pourrais dire... Ah oui, j'ai remis un jeu hein, au passage. Donc, c'est comme ouais, tu veux. Vas-y, tu veux rester en VOC. Ouais, bah je vais rester en VOC. Mais je te laisse, Tu peux me remettre la... Du coup, à l'Angers Geek Fest, tu pourras lui dire, Brigitte, que t'as fini Pousse-Pousse. Ouais. je sais pas si elle se souvient de ça. Mais je me dis, cette voix me dit quelque chose. Cette voix me dit quelque chose. Et... Putain, il y a une mise à jour de 16 gigas à faire, quoi. Aïe. C'est vraiment l'enfer avec... On va la laisser faire. Et en fait, c'est la voix de Son Goku, quoi. Ah ouais, tout simplement. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Et la voix de Oui-Oui aussi. Bah oui, c'est ça. Bah en fait, ça va trop bien dans la voix de Oui-Oui, ouais, carrément. Et Pousse-Pousse. Mais les autres, non. Les autres, j'espère pas de nom qui me disait quelque chose. Ah oui, parce qu'il y en a plusieurs qui parlent dans Pousse-Pousse. Ouais, bah tout parle dans Pousse-Pousse. Donc. Ah, il s'est fini quand même vachement vite, hein, ton Pousse-Pousse. Ah ouais, encore, j'ai pris le temps. C'était prévu jusqu'à 11h, je crois. Ouais, mais en fait, je savais plus du tout la durée de vie du jeu. Et j'ai vraiment pris le temps en me disant, je vais prendre une photo de tous les animaux, machin, je vais regarder le générique, parce que, bah, tu vois. Mais même avec ça, une heure. Ouais, c'est vraiment... Une heure de jeu. Tu te dis, à l'époque, quand t'achetais ça, quand même, tu y jouais une heure, puis c'était fini. Puis il n'y a même pas trop de... Enfin, t'es les mini-jeux, et j'ai essayé de les faire, ils sont vraiment pas ouf, quoi. Donc voilà. Ouais, bah au moins tu l'as fini. C'est ça. Contrairement à Wartox qui a pas fini à 10 bouts. Ouais. Alors qu'on a regardé, hein, ça se finit bien en 2 heures. Hein. À 10 bouts ? Ouais. Bah ouais, bah écoute. Il y avait 2 heures. Il y a des gens qui vont au bout des choses. Hein. C'est ça. Bon, ça va vite ton DL là ou pas ? Bah vous le voyez, non? Ah, vous le voyez pas? Non, on voit pas le DL, on voit juste qu'il y a 16 Go 29. Je vais réadapter à l'écran. Attends. Quoi? Vous le voyez pas? Attends, je vais virer le truc adapté à l'écran, parce que c'est pourri en fait ça. Un peu de monde.
Hein? Il y a eu Tonti et Jayco qui sont arrivés. Oui. Ah, et Kif aussi. Et Kif aussi qui est passé. Voilà. Ça va, ça va. Alors, je remets. Voilà, une vue où vous voyez où ça en est. Donc, c'est long. Effectivement, c'est en fait, il y a 40 gigas guidés. Ah la vache. Bon, t'as pas un autre jeu à côté, sinon, en attendant Bah, en fait, pas trop. Hein. Je joue pas beaucoup, mine de rien, sur PC. Et tous les jeux que j'ai, je pense qu'ils ont des mises à jour de l'enfer comme ça. Donc, Bon, un petit motus. Hein. Alors, je regarde Steam. Un petit motus. C'est ta passion, ça, maintenant. Bah après, là, ça fait une semaine que j'en ai... Enfin, une semaine. Ouais, ça fait 5 jours que j'en ai pas fait. Enfin, j'ai quand même fait mes petites parties de belote, hein, mais... Ça me suffit plus. Alors, je vais quitter... Flight Sim. Essayer de lancer autre chose. Alors, tu le laisses pas DL du coup ? Ouais, non, ça va. Ça va le faire. Donc, j'ai quoi sur Steam ? Game Dev Tycoon. Northgard, Old Boy, PUBG. Ah, PUBG, j'y ai pas joué depuis. Genre des années, quoi. Combien d'heures de jeu ? 230. Ah, j'allais dire, tu dois en avoir une centaine, mais non, t'en as 200. Ouais, c'est ça. Zerbillion, ouais, putain, Zerbillion, c'est trop. Allez, je vais lancer un petit Zerbillion. Vas-y. Comme ça, c'est chill, je peux parler en même temps. Attends, parce que ça me demande quand même d'installer des choses. Ah. Petite mise à jour. Ouais, je sais pas, il faut que je sais pas. Je sais pas c'est quoi les dernières mises à jour qu'il y a eu dans le jeu. Il y a le modding qui a été ajouté. Bon, ça va être là, ça va être petit hein, par rapport à une campagne. Bref, ça installe. Et du coup, après, en termes de planning. Donc non, il y avait pouce-pouce jusqu'à 11. Ouais. Ah oui, après vous êtes en cuisine. Quoi. Ah, c'est pour ça que j'ai fait la vaisselle, là, parce que normalement c'est Angelo qui devait s'y coller, mais... Ça va être compliqué d'eau, quoi. Étant donné son état, et puis peut-être que Vortex dorme, je me suis dit, je vais le faire. Hein, c'est ça. Alors, je vois que le jeu est en train de se lancer. Je le cherche. Ah, je l'ai.